Vous avez dit quoi? Les gars, guettez, bao. Get mon pyjama. Eh, hey, je suis pas trop frais. Get. Hey, dites ce que vous pensez de mon pyjama. Hey, c'est un pyjama Ralph Lauren, je l'ai payé cher. De toute façon, il est moche ton pyjama. Hey, j'ai passé 2 heures à faire le setup pour mettre des micros partout. Hey, t'as vu comment il m'a tiré dessus? Oh non, hey, il est grave. Non, parce que je revendique, parce que je sais que le chat il va être avec moi. Non, les gars, hey, s'il vous plaît, hey, soutenez mon pyjama. Les gars, veuillez accueillir Spicy Pyjama. Putain, là t'es vraiment miel épicé. Spicy, Belek. Belek, tu as. Sam, il est tombé. La tête, je bouge pas. La tête, je veux pas! Guettez comment il date! Au nom de Dieu! Ah ouais, il a dit qu'il parle que en anglais. I the chat, man. You know, what's going on, what's popping, man. On a un pyjama de rechange. T'as un short, Ralph Lauren. Eh, franchement, ça. Ah, si, en vrai, ça fait l'affaire! Ouais. En vrai, ça fait l'affaire! Mais je voulais le voir en Marcel! Ça fait l'affaire! Pourquoi tu veux voir chez Saint Marcel, absolument, toi? Une tête de couille. Salut le chat! Ouais, on est mal poli! Salut le chat! Oh non! Vous allez bien? Vous allez bien ou quoi? Mais pourquoi vous êtes pas en pyjama? Genre, c'est bizarre! Ouais, ça doit être ça! Tu vois, regarde, tu le vois comme ça. Ouais, non, c'est pas ce que tu crois. Moby, tu veux pas expliquer ce qui s'est passé avec la chaise rapidement? Lui, il casse tout. J'ai vu la vidéo où il a fait tomber le micro. Qu'est-ce que vous avez fait sur la chaise tous les deux? Salopard. C'est ça que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que vous faisiez à deux sur une chaise? Ouais, vous tourniez. Vous tourniez tout court. Vous tourniez sur la chaise. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à vos appartenances? Bah, moi, des rapports. Quel rapport? Moi, je vais vous dire un truc. Ouais, il commence. La réponse se trouve sur la couleur de son bonnet. Moi, j'ai rien dit, hein. Totoche, as-tu déjà utilisé des sextoys, Totoche? Tu vas à peine arriver. Oui. Je savais. On est les Jackson et tout, après il y a Tisha et Spicy, tout ça. Moi j'aimerais bien savoir qui est fétichiste là, qui est allé chez un orteil et tout là. C'était ça la question d'avant. Moi je l'ai dit, c'est orteil. C'est ça, on n'a pas fini. Mais ouais, c'est pour ça en fait, vous anticipez là. Non, on n'a pas fini. Bah vas-y. Moi je l'ai dit dans une vidéo sur ma chaîne. Avec ma fiancée, je l'ai dit, oui j'ai. Hein? Oui, t'aimes bien les pieds. Mais chaises, les pieds c'est pour marcher, pourquoi t'aimes bien lécher ça? Pour la faire marcher. Non, la bouche c'est fait pour manger, pour parler. Pourquoi on fait des bisous? Ah, il a pas. Ah, chaise, arrête. Il a batteur, allez, baby next. Chaise. Le trou du cul c'est fait pour chier, pourquoi on le lèche? Qui lèche? Qui? Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphone? Non. Oh, moi j'ai déjà eu la main dans le falzar en mode à l'aise. Genre. Non, mais genre t'as capté en mode. Ouais, je me dis comme ça. T'as dit quoi là? Quoi? Bébé là. Non, moi tu veux, ouais, je me dis comme ça en mode. J'ai disséminé un peu mes semences partout. Ouais, je te dis, j'ai vécu ta phrase, elle était bien longue. Non, c'est pas de l'impro, ça, c'est pas de l'impro. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Oh, intéressant. Oh, oui. Wesh, pourquoi tu. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse de venant d'elle. Pourquoi? Parce que c'était très chiant et je voulais me débarrasser de ce fardeau. Seigneur. Bah, ça fait peur. T'as fait peur à tous les hommes maintenant. Mais ouais, frère. J'ai pas encore fait ce genre de choses. Comment? Je m'ennuyais de fou. Ah, tu t'ennuies en mode. J'ai pensé cher à mon cours de bio, genre. Ouais. Ah putain, waouh la dinguerie. Ah non, c'est vraiment une dinguerie. Mathéo, t'as vu quoi, Mathéo? T'as flop. Je vais te dire un truc, hein. On m'a déjà reproché, genre, de pas faire de bruit. Logique, parle. Allez, vas-y. En fait, c'est quelque chose que j'ai dû bosser, c'est une dinguerie quand même. Il a bossé ça au studio. J'ai dû me décoincer sur ça. Genre, Logique, dis-moi un truc. Pour le langage. Mais c'est ça le truc. Non mais en vrai. Logique, s'il te plaît, dis-moi un truc. Le cyborg. Mais en vrai, tu sais qu'il est frustrant. Venez, on commande déjà. Venez, on commande à manger. Et au nom, j'ai la dalle de. Vous avez pas faim? Genre, une petite pizza et tout. Moi en ce moment j'aime trop la margarita. Chèvre miel. Chèvre miel et ça bouge dans, pas genre. Et dans le chat ils vont le dire chèvre miel, ça détrompe toutes les choses. Chèvre miel, c'est carré. Chèvre miel, personne s'assoit à la table. Personne s'assoit à la table. Non, Charlie's pizza orientale en premier. Allez. Chèvre miel, goat. Chèvre miel, elle passe partout. T'as des goûts de merde. C'est pas grave. Va te faire foutre. Les mecs qui aiment pas la mangue et la crevette, ils parlent avec moi. Allez, casse-toi. La quoi? J'aime pas la mangue non plus. J'aime pas la mangue. La mangue, j'aime bien. Ouais, mais tu t'as mis. T'as retrouvé ta veste? Tu mets combien sur 10? 7 sur 10. Il avait mis 4 à la base. Disha. Tu mets 7 sur 10 à la mangue. J'arrive pas à manger. Et t'as de quelle origine toi? Ah! T'es nickel. Et ensuite. Qu'est-ce que tu. Française. Donc t'es métisse? Ouais. Ok, on est 3 métisses. C'est quoi votre pizza préférée? Chèvre miel.
Voilà. J'ai dit quoi? Allez, viens de là. Personne ne s'assoit après peut-être la pépéronie. Non, en vrai, les gars, faites un sondage. La meilleure pizza, c'est orientale, on est d'accord. Chèvre, miel. Pourquoi chèvre, miel? Chèvre, miel, miel, c'est sucré. Miel, c'est sucré. Chèvre, c'est quoi? Ouais, mais le mélange des deux est masterclass. Quoi? Mais regarde, lui, il aime pas le fromage. Attendez, pause. Il aime pas le fromage, ce mec. Loni, orientale, merguez, poivron. Merguez, je suis désolé parce que les merguez, ça fait rôter. Tu le sens encore deux semaines après que t'as mangé les merguez. Fromage de chèvre, c'est pour manger à l'entrée. Miel, c'est pour le thé. Pourquoi tu mélanges les deux? Loni, il a commandé des pizzas pour tout le monde sauf pour moi. Oh non, je vais rien manger. Laisse-moi répondre. Attends. Ah, attends, Samuel, s'il te plaît. Oh non, tu vas pas manger. Merde, il a raccroché. Vas-y, viens, on y va. Hé, attendez, j'ai une question. Attends, Spicy, toi, ce truc. Est-ce que t'as fait de la musique? Tu chantes, ça se voit que tu sais chanter. Tu sais pas chanter? Chante une chanson, pitié. Après, je chante. Attendez, attends, avant que tu chantes. Dis-cha, chante. Toi, t'es excité là. Putain, laisse-nous parler là. Gars, j'ai une anecdote, enfin j'ai eu un truc bon. Mon beat est pas intéressant. Il y a eu un feat entre Loni et Totoche qui n'a jamais vu le jour. Et vous savez la raison, c'est pourquoi. Je te jure qu'il sait très bien la raison. Feat est incroyable. Mais je vous laisse deviner pourquoi il n'a jamais vu le jour. J'allais le sortir, Loni a dit non. Enfin, j'ai fait un feat avec Loni, il m'a éteint sur le feat. J'en ai rien à foutre, Loni il est trop fort. Allô. Du matin. Excusez-moi de vous déroger. Mais qui a fait la troisième? Qui est le champion de moi? Loni, il y a une dame, elle a appelé Evan. Oui, bonsoir. Il est 4h, ah non. Elle a dit, excusez-moi de vous déroger. Au oh noir, 7h du matin, non? À bonsoir. À 3 chiffres de vite ton numéro. Oh, venons faire un karaoke. Evan, non, j'en fais. Écoute. Vas-y. 1, 2, 3. Je pense qu'elle perd la tête, ça c'est mon petit côté sur moi. Je lui envoie pas de messagère ou se pète, on s'embrouille toujours la faute sur moi. Hey, je dis, reprends les études. Yes. Reprends les études. Hey, c'est une dinguerie de dire ça. C'est quoi le plus important chez une personne? Pour moi. T'as dit quoi? Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. C'est la personnalité, les goûts et ce dont tu te parles tous les jours, ce qui est le motif dans la vie. Non, elle a dit un être humain, elle a pas dit quelqu'un. C'est pas ici, on a dit la vérité, pas un mensonge. Là. Non, regarde, je reformule. Si un gars il vient te voir, qu'est-ce qui va t'attirer le plus vers cet homme? Mais c'est le physique déjà, Kiki. Bah oui. Loni, ferme ta bouche là, je parle pas de toi. Je regarde s'il est grand ou pas et après je regarde. Ah voilà, c'est la grandeur. Que je suis grande. Attends, Spicy, lève-toi s'il te plaît. Il a pas vu. Il a pas vu. Chess, elle dunk hein. Chess, mets-toi à côté. Elle fait windmill. Chess, tu veux mettre combien? Ça c'est des mêmes. Mais c'est rien. Mais Chess, t'es vraiment une canette. Chess, c'est un gobelet. Vous avez vu comment je vois discrètement? Personne me cala, personne me cala, Getty. Tout le monde ne va pas pouvoir entendre le jeu. Donc là, personne se pose la question. Et au moment où je vais démarrer le jeu, mais on n'entend pas le son, comment on va faire? Tisha, je t'en Moi, je pense sincèrement, faut virer Chess. Ouais. Non, Chess, c'est lancé. Eh, hey, Evan, non, je te retire. T'es occupé à investir okay. dans l'immobilier, allez. Ok, pas de soucis. Vous savez quoi? Moi, je pense que c'est Loni. Vous savez quoi? Bah, je vous baise. Mais tous. Loni, c'est notre tremplin, mais on n'a plus besoin de tremplin maintenant. C'est le mec ingrat. Non, là, je rigole pas. D'ailleurs, en parlant de ça, les gars, là, d'enfant, on a eu une discussion et j'ai été choqué. De leur réponse. Et j'ai évoqué le fait que si l'un des Jackson meurt, moi franchement ça va me mettre une claque. Et moi, non, arrête de mentir. Et moi j'ai dit en gros que ouais, moi ça me ferait un choc. Je pense que je serais plus là sur les réseaux. Et au nom, eux ils me disaient qu'est-ce qu'ils me racontent. Moi je vais faire une vidéo sur ça. Au nom, ça me dérange pas que vous faisiez des vidéos. Partie 1, je raconte partie 2 et tout. Ouais, ça me dérange pas. En soi, parce mais que. Mais t'es mort. Mais c'est pas bien. Oui, c'est pas bien moralement, mais moi ça me dérangerait pas. Mais moi j'arrête les réseaux, ma gueule. Si un des Jackson il meurt, frère, c'est une dinguerie, les gars. Mais c'est une dinguerie, frère. Mais attends, mais gros. Non, mais attends. Non mais attends. En vrai, si. En vrai, si c'est Loni ou Moby, oui, il va arrêter parce que c'est son frère. Moi, je m'en bats les couilles de Moby. Je rigole. Moi, justement, carrément, Moby meurt, c'est un boost. C'est là que je vais être productif. Ils vont faire des sons. RIP Moby. Ils vont faire des vlogs. À l'enterrement. Ah, t'as chier, mec, il veut qu'il assassine. Il va faire comme Offset. Non, il va sortir que les sons sur son rêve. Chez, il a dit, mon univers, ça me booste. Moi, je sais qu'Evan, il va faire des vlogs à l'enterrement. Gros, t'as vu les titres de fou? Moby sort de son cercueil avec plein des flèches rouges et tout, no fake et tout. C'est un personnage. Le titre de fou, Moby se prend pour Undertaker.
Non mais pour finir le truc, moi je sais que ça va mettre une claque et pendant un long moment je sais pas mais si... Mais tu veux une claque titre, t'en veux une de claque. Non mais vous voyez, voilà comment moi je les considère de fous et eux ils me considèrent pas. Moi je vais parler pour moi, dans le contexte où moi maintenant je pars, genre j'ai pas envie que vous arrêtiez. Est-ce que tu nous laisses ta chaîne YouTube? Ouais. Je lègue tout ta legacy. Je lègue tout à Spicy Honey. Attends, mais c'est sûr, frère et moi. Si tu quoi, c'est quoi? Si tu meurs et que tu veux qu'on arrête les réseaux, bah fais-moi un virement automatique au moment de ta mort, comme ça je peux payer mon loyer pendant 6 mois. Non mais je dis pas arrêter les vidéos. Non mais je dis pas, non, plus sérieusement, je dis pas arrêter les réseaux à vie, mais genre, je sais que pendant un bon moment, en mode je vais pas être bien ma gueule. C'est quoi vos jus off all, votre ah non. On a déjà fait ça, Ice-T. Non, c'est jeu off all time, mais j'ai mal dit jus. Mais en fait c'est jeu, mais jus. One Piece pêche abri... One... Vas-y, Spech Abricot, meilleur jeu of all time. One Piece. Mais mon meilleur jeu of all time, je pense que tu l'as connu, c'est One Piece Unlimited Crush. One Piece, ça, merde. One Piece, non. Trop nul. Pas pire. Trop nul, non, mais arrête. Unlimited. Mais toi, t'es trop abondant de One Piece. En fait, c'est ça qui mène avec toi. Toi, tout ce qui gravite autour de One Piece, c'est da. Toi, t'es un suceur de One Piece. Va voir mes couilles. Qui est joué, c'est nul. One Piece Pirate Wars, plus sa grand-mère. Ils sont tous nuls, les jeux One Piece. Le gameplay est zéro. Sur la Wii. Sur la Wii. One Piece Unlimited Crush 2. Le gameplay est zéro. Tous les jeux One Piece, le gameplay est zéro. Eh, c'est qui le plus drôle des gars? Je pense que c'est Totosh. Venons faire un sondage. Ouais, un sondage. C'est qui le plus beau, c'est qui le plus drôle, c'est qui le plus frais? Ouais. Eh les gars, en vrai, je vous parle en ça. Mmh. À cœur ouvert, je trouve qu'on est tous hilarants à chacun de notre manière. Et on est tous frais à chacun de notre manière. Arrête de faire le bon samaritain. T'es qu'une fraude. C'est le pire Jackson. Tu flopes tout le temps. Dans chacune de nos discussions, Totoche, t'as l'impression qu'il y a. Y a c'est bien on y va te faire reculer. À notre image. Attends, des pouces. Attends, des pouces. Regarde. Chie, mange ta merde. Et dès que ta merde. Comment il parle ton gars là? Il a dit. Non, j'ai dit, va te faire reculer. Oh, c'est mieux ça. Oh, c'est mieux ça. Moi, je parle pas des mamans. Mélodie, t'as insulté ma mère, moi je suis en train de ta mère. Je suis en train de dire on est tous beaux, on est tous drôles. Et tu dis je mange ma mère. Je le jure, j'envoie l'extra à ma mère. Eh, ceux qui sont encore sur le live, vous êtes des vaillants, il est 4h30. Oh, on passe aux questions intimes. On passe aux questions intimes, ça veut dire si vous avez des questions intimes. Question intime. Celui qui répond pas, il a un gage. Eh, quelqu'un il a marqué Totoche, c'est quoi la pire façon qu'une meuf est à recal? Aucune meuf m'a recalé de ma vie, parce que je n'ai jamais approché aucune femme. Moi je me suis regardé le plus grave des fois, moi. Primaire, collège, lycée. C'était compliqué, hein. C'était très compliqué. Ah, il t'a souffert. Au collège, c'est en mode, ouais, une meuf que je suis bien, ouais, ça te dit pas, ouais. Non. Loni, la pire célébrité à qui tu as parlé? Oh putain, si je parle. Toujours oh, la sauce. Si je parle. Mais toi, t'aimes bien la sauce, en fait. Je te jure, il y a qu'un seul visage qui m'est venu en tête, là. Mais rien que j'y repense, j'ai la haine. Ah, j'aimerais bien savoir qui c'est. Je sais qui c'est. J'en avais jamais parlé avant. Je vous explique, j'étais invité chez Camino. Ouais, je vois de qui tu as parlé. Insupportable, ce mec. Je ne l'ai pas aimé du tout, ni de près, ni de loin. Eh, vraiment, ce mec-là, ce type-là, pour moi, c'est une honte. C'est une honte, parce qu'en plus, il pète plus que son cul. Dites-vous, c'est un acteur. Voilà, je ne donnerai pas d'autres indices. Quelqu'un qui a demandé aussi votre pire rencontre IRL avec un abonné. Moi je dirais pas pire rencontre, mais j'ai une rencontre, elle était très particulière. Je rentrais chez moi à l'époque où j'habitais encore sur Bordeaux. Je reviens de Paris, j'ai pris mon train tard. J'arrive et je croise un abonné à 100 mètres de chez moi. Il me fait ouais, chef, ça va ou quoi et tout. Il m'interpelle le soir comme ça, parce qu'il y a quasiment pas de lumière dans la street. Je me retourne et tout, je dis ouais, ça va et toi tranquille. Il me dit ouais, t'as un peu de temps et tout, je fais un freestyle. Gros, en pleine night comme ça. Il me lâche un freestyle. Il me met l'instru. Eh hey, gros, je sais pas s'il est sur le stream. Franchement, tu m'as bien fait rire, mais le freestyle était très nul, frère. Il était très naze. J'étais avec Eva. Je suis bien placé pour parler du freestyle nul. On était dans le RER, on sortait du RER, il y avait deux bougs. On est passé devant eux. Il y a un des bougs, il a dit oh, il y a Toto chez Evan. Ouais. Oh, mais Toto, il est tout petit. Le gars qui a dit ça, il était plus petit que moi. C'est-à-dire, je me suis retourné, je l'ai regardé. Et les gars, je vais vous parler français. Au nom, un jour, vous allez voir sur Twitter ou sur Insta une vidéo de moi en train de me battre. Je vais vraiment me battre avec non, tu vas te battre, hein. Ceux qui font ça. Je comprends pas, j'arrive plus à lire ou quoi. Disha a les cheveux rouges, mais t'es con ou quoi? C'est son bonnet? Je sais pas. Eh vas-y, toi casse-toi, innove. Tu n'as pas envie de faire ton truc avec les fesses là? Mais toi, tu fais quoi? Depuis 2002, tu le fais ton truc avec les fesses. Et toi, t'as 27 ans. On a compris tes fesses. Oh, investis de la fesse. On a compris. Eh, le nez, c'est un ouf, il est en live, il dort. Est-ce que le body count, ça compte? Imagine, tu recoutes une fille.
Toi, tu ouais. Un gars qui a un gros body count, ça les gars, moi, c'est un truc. On en avait dit qu'énergie. On en avait déjà parlé une fois dans un Airbnb et vous m'aviez dit, par exemple, genre, si toi demain, on va dire, t'as un body count à 20, 20 à 30, on va dire, et que tu rencontres une nana avec qui le feeling passe bien et qu'elle te dit qu'elle a un body count similaire, vous m'avez tous dit, moi, ça passe pas. T'es un menteur là, sur ma vie, vous m'avez dit ça passe pas, vous êtes des fous. Bon, demain t'as un body count à 50, la meuf elle en a 50 aussi. Body count c'est le nombre de personnes avec qui t'as... Non, réponds à la question. Maintenant, je réponds. Ouais, bah réponds. Body count à 50, à plus de 50, est-ce que t'acceptes? Moi, je ne peux pas me permettre de refuser parce que j'ai le même body count qu'elle, donc dans tous les cas ça serait culotté de refuser. Attends, quoi? Quand je suis un chien, je vais refuser. Ça veut dire que toi tu pourrais pas accepter une meuf qui a un body count plus élevé que toi? Moi je trouve que le body count ça c'est pas encore. Bah, en soi, tu connais la personne pour ce qu'elle est et. Vas-y, toi. Au nom de Dieu, à tout le monde, ça veut dire Christophe Colomb. Au nom de Dieu, tu vas sur le bureau, tu vas sur des loxés, bien musclés, ma gueule. Oh non, je t'étais fou. Non, il faut une limite. Tu connais. En vrai, qu'elle a un body count. Les gars, elle a fait un seul gars. Trouvez-vous le plus petit possible, comme ça vous êtes le premier. Ça se trouve, c'est la go avec le body count le plus élevé qui est la plus fidèle, la plus gentille. Et celle qui a le moins. Merci. On m'a dit, si t'as un mec, t'as un body count de fou et que demain t'as une nana qui a 2, 3, 4, 5 au niveau du body count et tu fais le mec accepte pas parce que toi tu veux une meuf en mode 0 km. En mode tu veux une meuf sous blister, poto c'est pas un iPhone. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que les gens pensent trop que les créateurs de contenu sont nés créateurs de contenu. T'en as pour beaucoup, t'en as qui ont connu la réalité avant, t'en as qui ont bossé, t'en as qui ont fait des tafs de chien, etc. T'en as qui par chance, du jour au lendemain, leur réseau marchait. Et ce qu'ils font marcher et du coup commencer à pouvoir en vivre, mais arrêtez de croire que tous les créateurs de contenu ont des grosses caisses, ou gagnent des milliers de cents, etc. ou sont totalement déconnectés de la réalité. En fait, ils te parlent des fois. Genre, par exemple, je vais faire un tweet, je vais réagir à un truc, hein, et me dire ouais, mais toi, ferme ta gueule. Mais gros, est-ce que tu sais ce que j'ai vécu moi par exemple? Est-ce que vous connaissez le vécu des gens pour ouvrir votre bouche et dire ouais, mais toi, ça y est, tu gagnes ci, tu gagnes ça? Gros, t'en as, moi, littéralement, gros, j'ai connu la rue, j'ai mangé dans les bails de resto du cœur, etc., machin. Et ça, pour autant que sur les réseaux, je vais faire le mec en mode, ouais, personne n'a le droit de me dire ça, parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Pizza Hut. Là, c'est bon ou pas, là, le son? Elle aime quand je nut, hey. Pizza Hut. Je tire-moi la main. Là, il est 7h, ça sert à rien que je dise à demain. Quand je prends ma butte, je la prends demain. Oui. Hey, allô, ouais, c'est moi là. Ah, tu dors là? Ouais. Ah, désolé, j'aurais voulu t'envoyer un petit message avant de dormir. Y'a pas de soucis. Ça va, ça, sur ta boîte vocale. Y'aura bientôt le bip après la sonnerie. Bip, bip, bip. Je l'avais rigolé, cette connerie. T'es mon bébé, tu le sais. Tu le sais. T'es mon bébé, tu le sais. You know it. T'es trop belle. Belle. Hey. Hey, ABC. Hey, ton dos c'est ABC. Oh là là.